torche là parce qu'il n'y a pas grand chose dans cette mine. Mais voyons, Janine, c'est quoi ce bordel? Tu as failli tomber dans un puits. Je ne veux pas devenir veuve. Ah, ça m'a sa femme, d'accord. Je ferai tout ce que je peux pour retrouver la dépouille de mon arrière-grand-père. Il est ici, je le sens. Ça remonte à près de 2 siècles. Il ne reste peut-être plus rien. Ouais. Laisse-moi la paix à la fin. Crécius, tu n'es qu'une vieille tête de mule et tu vas finir par te tuer. Ouais, voilà. Ah ? Vous êtes qui, vous ? Vous ne voyez pas que je suis occupé ? Si, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi devrais-je vous le dire ? Je ne sais même pas qui vous êtes. C'est vrai. Bah, du coup, je pourrais peut-être t'aider. Peut-être. J'ai du mal à trouver des gens de confiance dernièrement. Je suis de la guilde, tout le monde me confiance. Prend pour un fou. Mais croyez-moi. Si je suis maître de la guilde des voleurs. C'est un secret qui pourrait rendre à Corberock sa gloire d'antan. Ouah. La des sentinelles. Ok. Quel genre de secret pourrait être caché ici ? Un secret que la compagnie de l'Empire Oriental a enfoui il y a 2 siècles. Il a causé la mort de mon arrière-grand-père et laissé Corberock avec une mine inexploitable et souillée. Bah, c'était qui ton arrière-grand-père ? Gracian Cerelius. Ça me dit un truc. Il a passé sa vie entière à explorer les ruines de Tamriel avant de mourir dans cette mine il y a presque 200 ans. Ouais, c'était un mec qu'on pouvait recruter comme garde quand on construisait le rocher du corbeau, justement. Sérieux, c'est pas rien, grand-père. D'après la compagnie de l'Empire Oriental, c'était un tragique accident. Je prétends qu'il a été tué par un éboulement, mais je sais que c'est faux. T'as des preuves, peut-être? En rangeant ma maison avec ma femme, j'ai trouvé des affaires appartenant à mon arrière-grand-père dans un vieux coffre. Ouais. Parmi ces affaires, il y avait une lettre destinée à la compagnie de l'Empire Oriental, ainsi qu'une clé. Clé ? Mais elle disait quoi, la lettre ? Elle parlait de quelque chose que les mineurs avaient découvert. Ils voulaient que Gracian aille jeter un coup d'œil. La compagnie de l'Empire Oriental devait penser que c'était important, car ils enfermaient cette section de la ville par la suite. La clé permet d'accéder à cette section. Oui, enfin, je suppose. Je n'ai pas encore trouvé l'entrée. Ouais, évidemment. Bon, il y a quand même 2-3 trucs de suspect, je t'avoue. Enfin quelqu'un qui me croit. Croyez-moi, il y a quelque chose d'important là-bas. Quelque chose que la compagnie de l'Empire Oriental tenait à cacher à tout le monde. Et pourquoi tu me racontes tout ça ? Écoutez, ma femme n'arrête pas de me dire que je suis trop vieux pour explorer la Donc, ce que j'ai à ta place. Le temps joue contre moi. Il m'a rattrapé avant que je... Ouais. En effet, je veux savoir ce qui est arrivé à Gracian. Et ce que la compagnie de l'Empire Oriental nous cache. Je commence par où ? Gracian tenait un journal dans lequel il parlait de ses découvertes. Si vous pouviez trouver sa dépouille, ce serait un bon début. Voilà tout ce D'accord. que j'ai. La lettre et la clé. Faites ça pour moi. Je vous en prie. Que je puisse enfin regagner le respect que j'ai perdu. Allez, t'inquiète pas. Par contre, ouais, faudrait que tu me files la pioche. Cet imbécile ne la mérite même pas. Cette pioche est faite pour... De toute façon, je parie qu'il l'a volé au Skull. Ouais, mais elle t'appartient pas. Bon, d'accord. Tenez. Dites-lui que j'espère qu'il se la fera tomber sur le pied. Prenez garde dans la... Essayez de fouiller les sections inférieures. C'est pas que je voulais faire. C'est bon, la lettre. Lettre de Gracian. Je serai le présent. Non, on a vraiment découvert des ruines souterraines dans les puits numéro 3. Que vous êtes originaire de ce système. Ok, donc il y a une ruine nordique au fond, tous les coups. Ouais, par contre, je vais voir la pioche nordique antique. Oh, classe! De la mine. Je n'ai jamais réussi à les atteindre. C'est classe. Bon, ben les enfants, on y va. Je ne garde dans la mine, elle peut vous encourager. Ça suit. Ça suit. J'entends un bruit. Ouais, en Ragnar. Ça, c'est méchant. C'est bon, c'est un Ragnar. Oh putain! Ça, par contre, c'est pas un Ragnar. C'était le seul dénouement possible. Comme tu le dis. Ça non plus, c'est pas un Ragnar.
Waouh! Ah! Oh, le coup de grisou! Oh putain! Merci pour ta protection, créateur. Oh! C'est pour ça que les mines c'est dangereux, les enfants. Passer par là. Attendez, mais il y a un truc là. Oh, ça fait chier. What? Ah d'accord, apparemment faut taper le temps. Bon, j'ai des gros problèmes de framerate là. Désolé, ça a sans doute déconné un peu. C'est pas grave, on peut avancer. Ouais, c'est bien ce que je disais. Mine nordique, enfin terre nordique plutôt. Ce qui signifie sauvegarde rapide. Et on va prendre le cyclone, tiens. Ah bah tiens. J'adore. C'est énorme. Aïe. C'est l'autre avec son arc là. Le savais. Par contre j'ai bugué là. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, attendez, j'ai juste voir ce qui bug là. Je reviens tout de suite. Re tout le monde. Bon, je sais pas trop ce qui buguait mais apparemment ça a l'air d'être... Qu'est-ce que c'est que ça? De s'être réparé maintenant. Donc c'est bon. Et donc on a dit, un coup de cyclone, ça fera du bien. Et d'aspect draconique aussi, moi je dirais. Wow, calme-toi, toi. Ça prendrait à avancer les coups de Froda, toi. Il y a son stuff en dragon, on a dit qu'il va tout défoncer. C'est moi qui me fais défoncer. Il nous faut une meilleure stratégie. Bon. Premièrement, aspect draconique. Voilà. On est stylé. Ensuite. Marque mortelle. Balance monde de choc. Putain mais Freya, te mets pas devant moi. Aïe. Voilà. Tu la sens celle-là là? Je vois que la barre de l'extrait à cause de la barre de commentel, ça fait chier. Lag. Stop. Ça va mieux toi? Ça a l'air d'aller mieux. Voir un peu le stuff qu'ils avaient quand même. Ouais, ça se vend. Donc non, attendez, je vais... Non. Je pense que ça pesait un peu lourd, j'ai jeté un peu de merdier inutile. Hache de bûcheron. Bon, j'en trouverai bien une autre. Mince de Riclin, ça pèse rien. Masse nordique. Ah, je pourrais en racheter une autre. Bon, ça sera déjà ça. Ah! Hop! Et il y a du mob en plus. Sauvegarde-moi ça. Oh, je t'ai pas vu, toi. Oh, je t'ai pas vu toi non plus. Le cyclone il me fait marrer n'empêche. Pardon. Je pense que ça donne avec trois mots quand même.
verra bien quand on les aura trouvés. Oh, il y en a encore un. Ouais, d'où est-ce qu'ils sortent, je me demande bien aussi, parce que... Ils ont tendance à être un peu beaucoup, là. C'est quoi cette herbe? On est où, là? Ah, ça l'a fait fondre, en plus. Ça a l'air suspect, ici. Ouais, il y en a qui sont pas... Ouais. Ralenti. Il y a un seigneur de regard qui lance un faux scroda là. Je sais pas lequel c'est. Il va le balancer. On a tous vu le sous-titre. Aïe! Hé! Hey ma vie! Ouh! Ah! Le plus faible est où? Rogue forcené. Tiens, tu tombes bien, toi. Oh! T'as pas fait explosion de base. Bon, l'infernal. Allez, allez, tue-le, vite. Ouh! Voilà. Alors toi, c'est bon, tu poseras plus de problèmes. Maintenant à toi. Enfin, l'aspect draconique, c'est pratique, franchement, j'avoue. L'autre qui a fui. Ici. Il croit qu'il va fuir. Oui, j'ai mon casque. Ouais, j'ai dépassé. Fou. Tu ne t'enfuiras pas. Je te prends au ralenti. Comme tu dis. Sauvegarde-moi ça. Et maintenant, on y va. Porte en fer. Oh! T'es mort, toi? Bon, t'as l'air d'être mort. Ouais. Du stalarim. Oh, je peux en miner. Eh bon, ce forgeron, il est tout en stalarim, tiens, pour voir. Vous voyez mon espadon qui bug un peu dans la cape. Et par contre, il met sa vie, le miner. Bah putain, c'est assez radin, je trouve. Mais enfin, on fait débugger le Elder Scroll. Voilà. Elle suit. Je l'ai dit, Netch, Chouka. Chouka, what the fuck. Ah, d'accord. On va faire un peu d'alchimie avec les nouveaux trucs choucard, avec de la gelée de neige et racine de trame. Ouais, renfort de partage. Sucreline, non, pas la sucreline. Gelée de neige, farine d'os, carte de liste. Ouais, bon, l'alchimie après. La gueule que j'ai quand même sans. Ah, je suis pas mal sur la couronne quand même. Mais on va la remettre. Point d'Ethereum. C'est bon, ça enlève la pierre du seigneur. Et là, du coup, ça va me la remettre. Voilà. C'est un peu bugué, c'est Bethesda, on va pas leur en vouloir. Petite sauvegarde au cas où. Ouf! Ouf, c'est son piège magique là. Il
J'aurais pu utiliser le corps éthéré, mais c'est quand même vachement moins classe, ouais. Et il y en a un avec un arc. C'est pas très sympa. Oh putain, je... Putain. Bon. Mauvais calcul. Je suis con, en plus j'ai crié. Enfin, on va attendre qu'il se ramène, lui. Oh.